Kereburu, maire de la commune des Lacs 1, président de la fondation Akereburu & Partners, qui est aussi membre de l'UICN. Le compagnonnage entre la mairie des Lacs 1, la fondation Akereburu & Partners et l'UICN est un compagnonnage de biens qui vise à travers l'environnement, notamment la plantation de mangroves, la création d'activités de génératrices de revenus par la mise en place de guirlandes et également la fabrication de miel, vise à créer un environnement qui, tout en protégeant la nature, notamment dans le cadre de la plantation des mangroves, participe aussi à changer le niveau de vie de la population en créant des activités génératrices de revenus. Il s'agit de sortir la notion de la biodiversité et de la protection de l'environnement de son cadre intellectuel pour en faire non seulement un outil de développement, mais également un outil de création de richesses pour les populations. Et donc, Anero est une ville d'eau et dispose de plusieurs îles. Et donc, ces îles-là ont été mises en valeur et protégées dans le cadre des différents projets que nous avons initiés avec l'UICN à travers le projet Papillo, qui est un projet essentiel. Et en plus, ça nous a permis de développer ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud. En cela, nous avons reçu de Dakar certains de nos frères sénégalais qui avaient déjà un peu plus d'avance que nous, notamment une certaine expérience dans la fabrication des guirlandes, dans la fabrication de ruches pour les abeilles. Et donc, ils sont venus ici partager cette expérience-là avec la population. Et donc, nous sommes passés d'une étape où la population était très réticente sur la protection des mangroves parce qu'il fallait couper du bois, à une étape où c'est elles maintenant qui sont devenues les actrices principales. Il faut insister également sur le rôle des femmes que nous avons introduit au cœur de ce système-là pour qu'elles aient des activités génératrices de revenus afin de leur permettre de s'occuper de l'éducation de leurs enfants et d'améliorer leurs conditions de vie. C'est le lieu de dire vraiment un grand merci à l'UICN qui, au-delà de la protection de l'environnement, travaille sur l'amélioration des conditions de vie et devient ainsi une agence de développement. Au lieu d'être simplement une agence de protection de la nature, c'est pour nous plutôt une agence de développement. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement la population de la commune des Lacs 1, et particulièrement nos frères les pêcheurs et ceux qui sont impliqués dans les différents projets Papio, notamment le comité villageois de développement, les comités de gestion des îles. Les remercier tous pour leur implication personnelle dans la réussite de ces projets initiés par l'UICN dans la commune des Lacs 1, et leur dire que le meilleur reste à venir et qu'ensemble, nous pouvons faire de la biodiversité et de l'environnement un outil de développement de la commune des Lacs 1. Vous saviez que le diamant est une pierre précieuse et donc en ces moments-ci, on ne peut souhaiter que beaucoup de bonheur à l'UICN et que l'UICN progresse dans la vision qui est la sienne, à savoir mettre l'environnement au service du développement en protégeant la nature.